Ahora sí, el Festival de Cannes arrancó al 100. En adelante se estrenarán 12 películas diarias, ya que todas las secciones paralelas del festival abrieron ayer. En la Semana de la Crítica pudimos ver una graciosa ópera prima, Robuste, en forma de retrato entrañable, sincero y divertidísimo de Gérard Depardieu. En la quincena de los realizadores descubrimos la poderosa pintura social Ouistreham, dedicada a las condiciones de trabajo desprotegidas de personal de limpieza. Esta adaptación de un importante libro de investigación de la autora Florence Aubenas está protagonizada por Juliette Binoche. Totalmente otro tono en Una cierta mirada con Odona, viaje en la locura de un soldado japonés al final de la Segunda Guerra Mundial, no sin recordarnos películas de Werner Herzog. Mientras tanto, se estrenó en competencia Tout s'est bien passé, la nueva película de François Ozon, intensa e íntima. C'est ça surtout qui m'a révolté, de me dire que l'État, la société, le corps médical ne prennent pas ça en charge et que ce soit aux enfants d'organiser ça. Le film n'est ni pour ni contre, il propose aux spectateurs une histoire très personnelle et chacun se retrouve confronté à ses propres interrogations sur la vie, sur la mort, sur ce qu'il ferait dans cette situation. Moi c'est ça qui m'intéressait, j'essaye pas d'avoir un message politique par rapport à ça, juste de poser des questions et de mettre les spectateurs face à leurs propres questionnements. Qu'est-ce qu'on ferait si on était dans cette situation? Personnellement, je ne sais pas ce que je ferais. Je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? Mañana nos concentraremos en un estreno mexicano aquí en La Croisette. ¡Hasta mañana!